Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo annonce de la série, donc sur ce jeu War Z. La série pour la spéciale 20 000 vues. Oui, j'ai décidé de faire une série pour les 20 000 vues. J'avais fait un concours pour les 10 000, bah là je fais une petite série qui, je pense, va durer pas mal longtemps. Je serai accompagné de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Il devrait me rejoindre bientôt. Bah, au premier épisode, de toute façon, voilà. Donc, juste avant, s'il y a des ralentissements, c'est normal, c'est parce que ce jeu est super, super mal optimisé. Donc, ce qui fait que je tourne à 20 FPS et quand je m'approche, je sais pas où, je suis à 15 et donc il y a souvent des petits ralentissements. C'est tout à fait normal, donc ne vous en faites pas. Donc, Warzy. Ouais, moi je dis Warzy, mais c'est Warzy. Warzy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu survival horror de zombies où il faut survivre. Lampe torche, j'en ai pas besoin. Donc je précise, c'est mon deuxième personnage. J'ai tâté un peu le jeu la première fois. C'était franchement super. J'ai accroché. Je kiffe. Je kiffe ce jeu tout simplement. En fait, la première fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai spawné. Ça a duré 2 minutes. Hein. J'ai spawné et je me suis avancé sur la route, tout à coup, on m'a tiré dessus, on m'a one shot, y a un gars avec un sniper qui m'a one shot et j'étais quand même assez dégoûté et je joue avec la version trial, j'ai pas acheté le jeu, je l'ai pas acheté, je vais bientôt l'acheter, mais je joue avec la version trial et donc ça fait que j'ai un temps, je ne peux créer qu'un seul personnage, l'inventaire est limité, voilà, je suis déjà au max, j'ai que 4 emplacements. Tiens, j'ai une barricade en bois, je sais même pas à quoi ça sert. Et dès que je meurs, en fait, si vous voulez, la première fois que. Avec le premier personnage, on spawn avec les bandages que vous voyez en 3. Là, une canne de soda et une barre chocolatée. Bon, là, je me suis refait un nouveau personnage. À la base, on peut pas. Je me suis créé un autre compte pour le faire. Et une lampe torche. Et c'est tout ce qu'on a. Et puis après, on se démerde. Et lors du deuxième personnage, eh ben, on se débrouille tout simplement, vu qu'on est obligé de tout trouver en spawn avec que dalle. Donc juste, je vais regarder la carte. Où est-ce que je vais? Je suis là. J'ai inspecté cette ville. Où est-ce qu'on va se diriger? J'aurais bien aimé aller à Smallville. Donc on m'a dit que c'était super super long pour y aller. Donc je pense que je ferai des ellipses entre le chemin et tout ça. Vu que c'est. Voilà, on m'a dit que c'était. Mon pote qui joue a dit que c'était super long. Genre pour faire 2 cm sur la map, faut jouer 15 minutes. Donc je vous laisse un peu deviner. Deviner un peu le truc. Par contre, il y a un zombie là-bas, je veux pas me faire choper. Donc je sais plus si je vous ai dit, mais Warzy c'est un jeu survival, faut survivre le plus longtemps à une infection de zombies. C'est online, tout est online, sur des serveurs et tout ça. Il est franchement super ce jeu. Le seul problème, comme je vous dis, c'est l'optimisation qui est vraiment pourrie de chez pourrie. Ah, donc vous pouvez voir en droite de temps en temps, ça s'affiche mon nombre de FPS. Tiens, il y a une caravane là, j'ai pas expecté. Alors, à ce que j'ai compris, donc en bas à gauche c'est notre ville, le petit bonhomme, à droite c'est notre soif et à gauche c'est notre bouffe. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a du sang par terre, du sang. Allez. Ouais, bon. Nul. Il y avait rien dedans. Donc voilà, avec à gauche la bouffe, à droite la soif, et tout en haut à droite. Le petit truc là vert, c'est le bruit que je fais. Enfin, c'est si je me fais comment dire, bah si tout simplement si je me fais snow, putain, comment est-ce qu'on dit déjà? Si je me fais voir, voilà, c'est ma remarque, ma barre de remarque entre guillemets. Voilà, si je me fais, je sais pas, sac à dos plein, oui, je sais, non, mais niveau munitions. Non. Ouais, parce que j'ai qu'une munition dans ce flingue. Donc, vous savez quoi ce qu'on va faire? Je vais aller dans l'inventaire, je vais voir s'il y a plus de balles dans l'autre. Ta. Jeter. Voilà, donc normalement j'ai déposé par terre, voilà, il est là.
Je prends celui-là et je regarde combien j'en ai un. Génial. Je peux pas avoir de munitions pour ça? Ce serait bien un peu de munitions. Là, y a quoi? Lumière orange. Bien évidemment, je suppose que je peux pas. Voilà, je suis plein. Lumière jaune. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ma barre de spot en haut à droite. Donc, dès que je m'approche d'un zombie, elle devient orange, selon si j'ai des risques de me faire choper. Et dès qu'elle est rouge, c'est que vraiment je suis très très proche et que je risque de me faire choper. Voilà, donc par exemple, là, ça veut dire que je fais du bruit quand je fais ce que orange. Dans le bus, qu'est-ce qu'on va trouver? Bien sûr, il est fermé. À la base, cette vidéo, elle était pas improvisée. Enfin, elle est improvisée, justement. J'avais pas prévu de la faire. Mais comme j'étais dessus, je me suis dit autant faire la vidéo. Le zombie là-bas, il embrasse le sol. Regardez. Oh oui, je t'aime le sol. Oh oui, oh oui. Voilà, bon, on va passer en mode furtif. Un petit camion de pompier. Ah, il doit y avoir la caserne là. D'accord. Oh oui, un magasin. Vous pouvez voir en haut à droite que ça devient orange. Donc si ça vous tente de cette aventure, dites-le moi dans les commentaires, si ça, j'en ai pas besoin. Aussi conseillez-moi vu que je débute vraiment dans ce jeu. Pagaie de canoë, on s'en fout. Conserve de pâtes. Bien sûr, mon sac à dos il est plein. Ouais. Donc les amis, je fais une petite ellipse, 2 secondes, j'ai un truc à faire, je reviens de suite. Voilà, excusez-moi. Donc, oh oui, oh jouissance. Alors là, oh oui, je suis trop content. Wow, bah dommage, il n'y a que 3 balles, mais wow putain. Je bois ça. Oui. Oh, les gars, j'ai trouvé un fusil. Vous imaginez? Lumière blanche. Batte. Oui! Une petite batte. Inventaire. Barricade. Jeter. Ah oh, oui, une barre métallique. À la place de la petite poêle. La poêle, 2 sur 10. Je bois ça. Je bois. Oh non! Viens, vas-y. Oh, il a cru qu'il allait m'avoir? Vous savez quoi? Je prends ça et je me barre en courant. Et qu'est-ce que sauce? Oh, j'ai trop peur, les amis. Oh, il m'a tué! Oh non, le con! Ah, j'ai trop envie qu'il se fasse bouffer par le zombie. Oh, je vous jure, j'ai trop envie qu'il se fasse bouffer par le zombie. Oh, oh non. Bon. Bah les amis, je fais une ellipse encore. Je vais pas m'arrêter là, bien sûr, je vais refaire un nouveau personnage. Voilà. Allez, à de suite. Voilà, re tout le monde. Donc, je viens de spawner à côté d'une grande ville. Il me semble que c'est la ville. Attendez, je vous dis ça. Voilà, c'est Boulder City. Nous, on était là. Non. On était là tout à l'heure. Je suis mort là, là. Putain, je suis dégoûté. Et donc, voilà, on est là. Pour ceux que ça intéresse, je suis sur le serveur US Trial Server 5. Voilà. Donc, on va aller dans cette grande ville. Par contre, les grandes villes. Voilà, c'est juste abusé. Regardez un peu tout le nombre de zombies qu'il y a. Voilà. Donc, attendez 2 secondes, je vais juste. Voilà, j'ai éternué, désolé.
Vous pouvez voir que je n'ai plus la lampe torche, ni les boissons, les bandages et tout ça que j'avais tout à l'heure. Et donc j'ai oublié de tout me retaper. Ah non, mais c'est abusé. Regardez tout ça. Il y a trop de monde. Vous pouvez voir en bas en haut à droite, pardon, le nombre d'FPS qui chute. Ah, je vous ai dit, arriver aux grandes îles, c'est horrible. Il y a tellement d'entités à afficher, en plus tellement que c'est mal optimisé, ça baisse. Donc, waouh, putain, le nombre de zombies qu'il y a. Ouais, finalement, je sais pas si on va aller. Si on va aller là. Donc, on va remonter. Alors, où est-ce qu'on va aller? Je vais voir s'il n'y a pas une caserne de. Voilà. NORAD Military Base. Le problème, c'est qu'il faut traverser la ville. Ou alors, on peut passer par là. Et on va. Dans ce cas-là, on va là, à la Patch Farm. Alors, White House, Whitestone Mountain, Castle. La map est relativement grande, faut pas croire, mais elle est grande. Vous pouvez voir que nous, où on était là, c'était quand même grand. Il y a encore, vous avez vu à peine le quart de la ville, de Clearview. Putain, j'ai froid, je tremble. Où est-ce qu'on peut aller? Voilà. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller là, mais je veux pas aller durer encore trop longtemps. C'est une petite vidéo annonce, comme on les aime, bien que c'est seulement la première que je fais d'ailleurs. Alors, ouais, il y a moyen. Ou alors je vais aller à Whitestone là, et puis après j'irai à Rockyfort. Donc, si je regarde bien, c'est vers là-bas. Je vous propose de faire une ellipse. Je sais pas quand. Je pense que de toute façon, ouais, ce sera plutôt pas mal d'ellipses dans cette vidéo. Le temps que je me rende aux endroits et tout, ça va être la merde. Donc, ouh, la texture là-bas qui est mal faite. L'eau aussi, elle est mal faite. Il y a une autoroute là. On va courir un peu. Même si je sais, il y en a qui vont me dire, eh, faut pas faire ça, tu vas tout perdre, après tu vas mourir. Ouais, mais c'est le problème, c'est que ça va être 1000 ans hein, si je fais pas ça. Mon Dieu, des zombies. Ouais, par contre, on s'est spoté même par les zombies endormis. Et 2 zombies sur 3 se réveillent. Putain, je veux pas courir moi. Je suppose que si je m'approche, je vais me faire tuer, donc je n'approche pas. Je fais juste attention. Ouais, bon, c'est quand même assez beau. Pour pas dire. Ouais, les villes, elles sont bien faites. C'est pas laid, mais c'est pas beau non plus. Voilà, après c'est que mon avis, il y en a qui vont dire ouais, le jeu il est super, patati patata. Putain, j'ai vraiment pas envie de m'approcher, j'ai peur qu'il se réveille. Ah, par contre, il y en a là-bas. Donc on va faire doucement. Il y a aussi un souci dans ce jeu, c'est que la touche de sprint, c'est le left shift, donc le verrouillage majuscule gauche. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est le petit en dessous du. En haut du CTRL, voilà, juste au-dessus du CTRL. Et la touche accroupie, c'est contrôle gauche. Donc juste en dessous de la touche de sprint. Et donc il suffit de rater la touche et on sprint quoi. Donc quand il y a un zombie à côté et qu'on veut absolument s'accroupir, c'est un peu la merde. Ça m'est arrivé. Juste avant de commencer, je me suis fait donc du coup je me suis fait corser par un zombie. Mais je l'ai tué avec ma fameuse poêle. Voilà, c'est bon, là je peux. Ah bah finalement ça va, on va assez vite dans la carte. Ouais, les 2 cm, hein, mon cul, ouais.
Oui, toi, Maxime, qui regarde cette vidéo. Tu m'as dit n'importe quoi. Bon, je vais sprinter un peu. Non, je vais arrêter de sprinter. Ouais, parce que ma si, ma bouffe et ma soif et commence déjà à descendre. Oh, putain, le nombre de zombies qu'il y a. Merde. Bon, pas grave. On va essayer. C'est quoi? C'est une école ou c'est... Vas-y, chaud. On va faire le tour du bâtiment, hein. Il y a trop de zombies. Ou alors, ça peut peut-être éventuellement passer. Si je continue tout droit. Mais faut pas que ce zombie là il me spot. Celui-là où il y a juste au-dessus de ma tête, là là. Où il y a l'arbre. Ah oui, mais non, mais il y a des zombies là. Merde, merde, comment je vais faire? Ah là, ça va, il y a une ouverture. Vous pouvez voir que les animations de zombies sont absolument dégueu. Ça bouge mal en même temps. En même temps, on est sur les joueurs, enfin sur les serveurs DC, donc c'est pas, ils ont, je pense, ils ont pas mis les meilleures animations. Hein. Faudrait que je m'achète le jeu. Je pense que je vais me l'acheter, ouais. Ah, cool. C'est quoi ça? Oh oui, à boire. Electro-head. Muscly instantané. Oh, munition calibre 12. Donc ça veut dire qu'il y a l'arme dans le coin. Bah écoutez, on va voir ça. Je vais me rapprocher de là. Franchement, les survival horror, c'est des jeux que je kiffe. C'est, voilà, c'est un style de jeu, c'est mon style de jeu préféré, les survival horror. Non. Oh non, on peut pas rentrer. Et est-ce que là on peut? On dirait pas. Non, on peut pas. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On se bouge! On se barre! Alors. Ah, cool, là, c'est ouvert. Merde, il doit y avoir un zombie dedans. Ah, un magasin. Un magasin qui a l'air dévalisé. Ah oui, une lampe torche. Cool. C'est quoi ça? Je veux voir. Ok, je peux pas. Génial. Ah, un paquet. Ça. Oui! Muslim. Ah. Putain, mais c'est quoi ça? Merde, ça a quitté le jeu. Bah, attendez 2 secondes, je vais revenir dans le jeu là. Ça l'a juste quitté. Voilà. Ouais, c'est bizarre. Là, il y a un bug. Ça fait que je peux pas ramasser ça. Et des zombies. Putain, mais c'est buggé. Là, des munitions de calibre. Oh, bandage, cool. Donc, ce que je vais faire, inventaire, c'est que je vais mettre les bandages à la place du 3.
J'ai une batte. Alors, Nanterre, batte à la place de la lampe torche. Je rigole si jamais il y a le zombie là qui passe à travers. Non! Oui! Code erroné. Ok, génial. Je peux pas ramasser non plus. Bon. Ah bah cool. Ce petit magasin, c'était sympa. Ah bah maintenant, on se casse, ça. Avec super, des zombies devant. On va passer par là-bas. On va passer par là. Et après, on va passer par derrière. Bon, je reste comme ça parce que je suis sûr qu'il n'y a pas de zombies ici. Voilà, c'est cool là, pour ce... pour trouver des trucs, les stores. En même temps, c'est un peu normal. Est-ce qu'il y a des trucs dans la poubelle? Oui! Canette de soda. Oh putain. Salut! On se barre. Bon, vous savez quoi? On va continuer la route, hein. On va continuer la route. Est-ce qu'il y a des zombies là? Non, il n'y a rien. On va regarder la map. Oui, je sais, je suis un fou, il y a des zombies autour et puis moi je regarde la map. Le prochain, c'est le... Hill Ranch. Ranch. Hill Ranch. Va falloir traverser la montagne. Ah ben ça marche! Ah, y a pas de joueurs. Il y a énormément de Russes sur le serveur. Hello, hi. Ah merde, ils sont en proximité en fait. Ouh, j'ai pas fait gaffe. Near the ambulance. Non, je suis pas près d'une ambulance. À tous les coups, l'ambulance, elle est là. Ah cool, maintenant j'ai l'arme, je peux zoomer. Donc je peux vous montrer les trucs quoi. Regardez le curseur, c'est une branche d'arbre. Je n'ai rien. Eh ben c'est cool pour toi. Ah non, à proximité, connecté. Ah d'accord, là c'est global, d'accord, ils sont pas proches de moi. J'ai pas fait gaffe. Ouais, finalement c'est mieux de rester sur les... dans les montagnes vu qu'il n'y a pas de zombies. Donc ça peut être cool. Par contre, je sais pas si on perd plus de soif et de bouffe quand on les traverse. Oh, regardez, là-bas, il y a la neige. Oh, ce serait cool de pouvoir aller là-bas. Je me demande si on peut y aller. Attends, je check. Hill Ranch. Dommage que je puisse pas laisser de marqueur. Est-ce qu'on peut... Ouais, vite fait, je pense qu'on peut... Oh, pas grave, on essaiera. On essaiera un jour, ne vous en faites pas. Après, on peut pas sprinter. En fait, ça ralentit comme si on était accroupi. Je n'ai rien. Le gars parle russe, d'accord. On peut switcher avec A aussi. Ouh, la belle texture des feuilles des arbres. Ça pique les yeux, moi je dis. Ce qui serait bien, c'est qu'ils installent une genre de mini-map en haut à gauche.
pour se repérer plus facilement. Ils instaurent le système des marqueurs. Parce que là, on peut pas marquer le truc et c'est chiant. Ça. Par contre, je suis étonné qu'il y ait eu quelqu'un là dans la ville où j'étais avant de mourir. Oui, j'ai frappé la manche. What? What? D'accord, c'est pour la vue à la première personne. Ah bah c'est classe. D'un côté on a le curseur du coup et de l'autre non. Je me demande si avec l'arbre. What? Oh ah, putain. Abusé. Regardez ça. Voilà, je préfère comme ça. Munitions de calibre. Je vais mettre autre chose à la place. Canette de soda, électro-aide. Calibre 12. C'est 6 kg et 4 T de 6. Ok. Ah, j'arrive près d'un tournant. Je suis loin de. Ah, il y a une route là qui passe. Je pense que je dois être proche du ranch, voilà. Le ranch de la montagne. Non, de la montagne à cheval. Je vais courir un peu. Non, je vais économiser. On sait jamais si je me fais courser par un zombie. Remarque, j'ai la batte. La batte de criquet. Mais on sait jamais. Par contre, j'espère croiser personne dans ce ranch. Et là-bas, on voit la ville. On ira peut-être un jour avec mon copain. Avec mon friends qui va nous retrouver. Ah, on voit le ranch, il est là-bas. Non, pas là-haut. Il est là-bas. Vas-y, c'était. N'empêche, c'est trop bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça va à rien. Bah cool, il doit pas y avoir beaucoup de zombies là-bas. Ouais, je dis. C'est quoi ça? Wow putain! C'est quoi? Bah après avoir exploré le ranch, on ira là-bas. Voir un peu ce qu'il y a et puis je pense qu'on se laissera là. C'est pas mal pour une petite vidéo annonce et tout ça. Je pense que. Parce que ce sera bon. Bon bah du coup je cours un peu, c'est quoi? Fuck si je me fais poursuivre par un zombie. Je le buterai avec ma batte. Pardon, j'espère que le son du jeu est assez fort. Je l'ai baissé un peu pour qu'on entende le son de ma voix. Mais maintenant du coup je sais pas. Bon c'est pas grave au pire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'à plus tard j'augmente un peu le son. Je le ferai. Oh, t'as une petite cigare là. Dans la cabane au fond du jardin. C'est quoi ça? C'est un joueur ou c'est un zombie? Non, c'est un zombie.
Non, c'est un joueur. Oh putain, il y a un zombie là. Si seulement j'avais une arme, je pourrais le shooter. Non, c'est un zombie. Ce zombie là, il m'inspire pas confiance. Quoi, y a un zombie là? Non, y a rien. On peut voir qu'en haut à droite, c'est très rouge. Allez! Ah voilà, ça je m'éloigne. Il reste rouge. Oh, putain de zombies! Merde, 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 j'ai pas envie de me faire chauffer. On peut voir le combat le plus épique de tous les temps. Par contre, il y a l'autre zombie qui se rapproche, il m'inspire pas confiance. Il va venir. Voilà, oh putain. Non mais du coup je me tape deux zombies hein. Aïe, il m'a touché. Non, non, bah je vais me faire avoir. Oh putain. Oh merde. J'aurais dû courir. Bon, c'est pas grave. Donc, bah, finalement, on va se laisser là. Le jeu il est quand même assez difficile, faut pas croire. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Stay enjoy. Et peace tout le monde pour le premier épisode de cette série. Allez, bye bye.